Arrivés tous sains et saufs aux portes du château après avoir gravi de nuit la montagne enneigée, Aristide s'écria « Notre but est atteint, comme le flanc !»« J'ai rien compris. » L'antibourg, du grec anti, contre, et de l'occitan borda, mensonge, est apparenté au calembour. Il a en effet la même intention de départ, l'humour, à ceci près que les mots associés n'ont aucun sens, ce qui crée un effet absurde. C'est aussi par extension une construction de phrase qui n'a ni queue ni tête, puisque la fin de la phrase n'a aucun lien avec le début. En ce sens, on peut le qualifier de non sequitur, du latin qui ne suit pas les prémices. Notre but est atteint, comme le flanc. Ici, on ne comprend pas où l'interlocuteur veut en venir, comme s'il avait raté son jeu de mots. Notre but est atteint, comme la tarte. La tarte t'atteint. Damien, vis ma vie ou sans du fion ? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Dans l'émission Camoulox, on rencontre très souvent des antibourgs. Dans cet extrait, la réponse « Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul » n'a rien à voir avec la question « Vis ma vie ou sans du fion ?» Bien sûr, vous aurez compris que tout ceci n'est qu'un bon gros poisson d'avril, il n'y a pas d'antibourg qui tienne. Alors sur internet comme ailleurs, sachez vérifier les informations.